Et bonsoir. Bien de retour sur la chaîne pour continuer Pikmin 4 qu'on avait commencé. C'était quand? C'était samedi? Ou dimanche? J'entends déjà un trou. Non, c'était dimanche qu'on l'a commencé. Dimanche! Samedi, c'était off. On l'avait commencé dimanche, on avait trouvé ça plutôt cool. Donc, bah voilà, on est là pour continuer le mode histoire. On en était au jour 7. On allait retourner une nouvelle fois quand même à la terrasse là pour terminer ce qu'il y a à faire sur le haut de la terrasse parce qu'il nous manque des Pikmin pour aller à récupérer le bulbe bleu. On avait dit qu'il nous en fallait au moins une cinquantaine, on en a que 40. Du coup, le bulbe bleu, c'est compliqué à récupérer tout de suite. Voilà, c'était ce qu'on avait dit. Donc c'est parti pour continuer l'aventure Pikmin. C'est bien ça, on est là. Alors attendez, tac, tac. Ça, on retweet. Ça, on like. Voilà qui est fait. Ça, on ferme. On se remet sur OBS. Et voilà, on y est. Allez. Du coup, tous les nouveaux gus qu'on a trouvés là. La chevauchon, mon petit pote. Je m'appelle Dalmo. C'est qui lui? Ah oui, celui qui vient voir les bestioles. Ce que j'apprends sur les créatures et leur écosystème et d'en faire un guide illustré. Le Piclopédie. D'accord. Malheureusement, j'ai eu cet accident quand je pense à toutes ces petites bêtes que j'aurais pu rencontrer. Je suis ici pour faire un sujet, mais j'en ai pas vu une seule. Tu savais comme j'ai honte. Avoir honte, monsieur. Mais au fait, tu dois rencontrer bien des créatures au cours de tes explorations. Parle-moi d'elles, je t'en prie. Je te récompenserai, cela va sans dire. Je suis vraiment prêt à tout pour mieux connaître ces esquisses, petites bêtes. Ah putain, il en manque une. Il en manque trois. N'importe quoi. Une. Il y a un bestiaire. Le jeu prend un point de plus. Il y a un bestiaire. Un point de plus. Ouais, c'est comme ça que ça marche. As-tu déjà eu ton soul de créature, plus charmante les unes que les autres? Si elle te manque, viens me voir. Très bien, monsieur. Ah oui, lui, c'est les trésors. Mais on n'est pas obligé d'y aller à chaque fois, en fait, on s'en fout. Est-ce que lui, en plus, ça ne nous rapporte rien? C'est leur quête à eux qui rapporte. Allez. J'ai un point. On augmente. Ah mais il y a des trucs plus bas, j'avais pas vu. Bon, on va continuer à augmenter la force. Un bon dogo. Bah, super force. Très bien. Des nouveaux objets? On n'a pas assez. Les obs. Attends, attends, il y avait un autre onglet? Fais gaffe, il y a un autre onglet. Ah, mais je savais même pas qu'il y avait ça. Carotte pic-pic. Ah, pour paralyser les ennemis. Un bon broc. Assez puissante pour détruire un mur anti-choc. Oh, mais ça, on peut les péter avec les... Nous-mêmes, en fait, avec les Pikmin, on s'en fout. Inutile. Je veux retourner à la terrasse ensoleillée, s'il vous plaît. Hop. On a bien trouvé tous les sauvetages à faire. Et il nous manque un oignon, mais je pense que c'est le bleu. Enfin non, c'est pas il nous manque un oignon, il nous manque... On ne sait pas combien d'oignons, mais je pense qu'il en manque qu'un seul et que c'est le bleu.
Et les trésors, pareil, on sait pas combien il en manque, mais je pense que c'est les deux qui nous restent au sommet de la terrasse. Très bien. Alors, ceux-là. On va pas tous les prendre, hein, parce que. Il nous en reste que déjà 18 seulement. Il y en a plein qui ont cassé leur pipe, ça veut dire. Allez hop, on va voir. Des petits jaunes en plus. Même avoir des rouges. Hein. Ça mange pas de pain. La bestiole a repop ou elle est morte? Venez ici vous. Pas vu, hein. Ah, mais elle est toujours canée. Ça, c'est bon à savoir, en fait. Ah. Yes. Faudrait que je me penche sur les raccourcis, en fait. Mais du coup, vu qu'il n'y a plus d'ennemis, attends. Ah, mais les monticules, par contre, ils apparaissent pas. Ah oui, les monticules n'apparaissent pas parce qu'il est ici en fait l'autre, d'accord. Très bien. Quelle vue fantastique d'ici. Mais saute! Mais comment on saute déjà? Mais. Mais ah, c'est comme ça, mais pourquoi ça voulait pas? Yes! Et l'autre, il est où? Reviens ici. Ah mais c'est ça. Allez, déterrez-moi ça les gars. Une cacahuète. Une cacahuète. Le truc Attends, je m'en mêle les pinceaux là. Ah mais non, il est là-bas. Le trésor récupéré, ouais. Et la cacahuète. Okay.
Mes petits Pikmin. Quand même mignon. C'est pas fifou. Visuellement, c'est pas. Voilà, c'est pas une dinguerie. Mais c'est quand même correct. Donc je pense que quand même la Switch est capable de vraiment beaucoup mieux. Faut pas pousser. Je pense que cette bécane est capable de beaucoup mieux. Mais c'est pas non plus totalement dégueu. Il me manque un Pikmin. Comment ça, frère? On m'a dit qu'il me manque 39 sur 40. Quelle est cette bizarrerie? Allez, dépêche-toi. Bon, un rouge, ça peut être bien aussi. Allons looter. Pikmin. Hop. Nous emmerde, elle nous indique qu'il faut des pouces sur la carte. Hop. Ramène ça. Ah là, normalement il y a des jetons. Juste là. Attends, non, qu'il soit jaune. Il le transporte tous ou est-ce qu'il y en a qui restent? Ah mais non, il y en a qui restent. Ils y vont vraiment qu'à 5 en fait. Bien. Merde. Alors en fait il faut... Ah oui, il en faut 20. Quel gros jeton, je peux le prendre. Ah oui, je peux le prendre, mais est-ce qu'ils peuvent passer? Non. Dogo. Disons.
Ah, ils m'attendent! Oh, ça va s'ils m'attendent. Ah, mais par contre, attends. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il faut pas y aller comme ça, ok. Ok. Hein? Comment ça, il y a des Pikmin qui sont restés là-bas? Ah bon, il y a un jaune là-bas? Mais... Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il fait très bien. Mais qu'est-ce que vous faites, les cons, hein, les macouilles? Alors, on va récupérer le jaune qui est là-bas. Et du coup, je pense qu'on a trouvé tous les objets, là. 99, le dernier pourcentage, c'est ça. Allez, viens. Pouvoir aller dans la nouvelle zone. En revenu une dernière fois ici, histoire de dire. Où est le dernier? Mais il me manque un Pikmin, mais je ne sais pas où il est. Hein? Mais comment ça, il est là-bas? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais jamais je lui ai demandé d'aller là-bas. Oh ouais. Tant pis. Hein. Tant pis pour lui. On arrête l'exploration et on rentre. On rentre au bercail. Chargement, toujours... toujours un problème. Les trois derniers objets. J'ai voulu réfléchir de tous les angles, je reste étonné. Ces trésors sont vraiment des choses mystérieuses. En effet, on peut se demander qui les a créés et dans quel but. Le trésor que nous avons trouvé le tout premier jour, la dalle avancée, il pouvait s'ouvrir et se fermer, non? Il s'agirait peut-être d'une sorte d'abri de fortune destiné à protéger du vent et de la pluie son créateur. Une théorie intéressante, même si elle n'est pas forcément très plausible.
Rien de nouveau. Nouvelle zone, paradis des pétales. Bah go! Qu'est-ce qui nous y attend? Des petits piafs! Oh, des cerises! Ok. On va quand même en prendre 10 avec nous. Oups. Allez, hop. Le bouchon. Nouvelle bestiole là déjà. Voilà, parfait. Ok, là il y aura un truc à pousser. Là ça sera de l'autre côté aussi. Ok, par là, ça déjà. Nouveau trésor. Par là on peut pas passer. Mais comment ça? Porte-le. Là, il y a de la flotte. Ah ! Comment ça ? Ah, lâche. Ah. Construisons le pont. Attendez les gars. Voilà. Il m'a buté des Pikmin. Voilà. Le pont est construit.
je sais que je peux appeler Beagle d'ici là. Mais attendez. Ok. Voilà. Pas un environnement plutôt mignon. Ok, allez, tu viens par ici. Quoi semble la map? Ok, donc là on va péter la porte ici. Ça va potentiellement nous faire passer par là. Ok. Défoncez-moi ce mur! Yes. Oh. Espèce de broche. Ah. Vache. Yes. Ah, ok. Ah, y a un... Oh. C'est moi ça les gars. Oh, où est-ce que j'ai laissé des Pikmin derrière moi? Il y en a peut-être qui sont crevés par contre. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Elle est jaune. Allez. Ah, il en reste deux. La petite armée. Ah.
Ah non, mais ça y est, ils sont passés. Ah, il y a un mob là. Ok, ils ont fini de transporter ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et bah alors? Ah merde! Voilà. C'est ça que je veux. Yes! Ok, il y a l'oignon. Il y a l'oignon à récupérer, hein. Il y a de la ressource. Parfait. On peut embarquer direct. Oh. Allez. Ça, c'est depuis l'autre côté. Passe-t-il? Le mien a bien été absorbé, mais il ne s'est rien passé. Je me réfère aux signaux vitaux que je capte. Il y a 20 Pikmin supplémentaires à l'intérieur de l'oignon. Ah, nous avons déjà un oignon d'une certaine couleur. Un autre oignon de la même couleur est converti en nutriments. Comment ça, frère? En train de me dire que... Ah mais non, ça m'a juste donné un Pikmin en plus, c'est tout. Oh, je sais pas. Ah yes. Ah non! Appelle-le avec... Oui, d'accord. Ah
Yes. Yes. Ok. Un nouveau trésor. Ah, mais c'était une poupée russe. On va faire ça, hein. Au revoir. Regardez, c'est un feuillu. Et attention, c'est peut-être celui qui a attaqué Wally. Ouais, puis y a aucun doute, c'est bien lui. Du coup, c'est peut-être le pilote qui est allongé au sol à côté de ce type. Des méchants. Ça, c'est pas bon du tout. On va pas laisser ce naufragé se faire transformer en feuillu. Tuez mon snip. Bah go, hein. C'est quoi? C'est un contre. Allez, c'est parti. Parti, go pour le contre-la-montre. Niveau de difficulté 2. Le voilà donc de retour. Qui ne se plie pas aux dents de Tori ne peut pas survivre sur cette planète. Mais qui voit des feuilles lui pousser et retrouve la vie. Pour voir si tu es capable de sauver cet être, je vais tester tes talents en duel d'Antori. Et cette fois, il y aura une règle de plus à respecter en Dandori. Faut savoir changer de tactique au dernier moment en Dandori. La valeur d'un objet ou d'une créature peut cette fois augmenter pendant un temps assez bref. On appelle ça un bonus. Hein. Deux fois plus de points, d'accord. La vache. Ah merde. Viens ici les gus. Vite. Oh la vache, j'avais pas vu tous les points que j'ai. Allez, congelez-moi ça là. Yes.
Le temps qui reste. Insiste de saloperie. Ouais. C'est par là. Ah mais eux ils sont que deux. Allez hop. C'est bon, on a gagné. À la fin, on aura pu se faire avoir. Hein. À la fin, on aura pu se faire avoir parce que je faisais pas du tout attention au bonus. Bonus x2, t'aurais pu me jouer du tour. Hein. Tu as à nouveau fait preuve d'une belle maîtrise du Dandori. Je vais donc te laisser t'occuper de cette personne. Il a disparu encore une fois. Mais heureusement, nous avons récupéré le naufragé sain et sauf. Belle victoire! Transportez tout de suite le naufragé au Beagle, par Kyochin. Non. Et celui-là, on va en mettre moins. Pas déconner. Hein. Ok. Allez. Yes. Beagle, c'est juste à côté. Ah où il passe, c'est con. Hein. Ah mais ils vont le tour par là? Ah oui. Ok. Peut-être que Russ aura une idée pour lire son badge d'identité. Tenez, erroné.
forcément. Quand quelqu'un devient feuillu, l'accès à ses données d'identification semble être irrémédiablement bloqué. Même la science est impuissante, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Allez les gars, dépêchez-vous là! Allez! Oh! C'est bon. On a laissé un derrière nous, je crois. Ça vient bien passer, on a sauvé le naufragé, on a refait le pont. De ce côté-là. Ça s'est plutôt bien passé, cette affaire. Yes, en plus on a un point de motivation, bon ça sert à rien d'utiliser tout de suite. Visage de la fille, baguette florale, joyeux collant, oiseau bleu du bonheur, ok. Pourquoi devons-nous nous battre? Est-il donc inévitable d'entrer sans arrêt en compétition avec les uns avec les autres? Y a un souci, capitaine? Non, le spectacle de ce duel d'Andori me faisait juste penser à quelque chose. Je trouve ça triste. Nous partageons tous le même univers, nous devrions y vivre en amis et pas en ennemis. Vous avez sans doute raison, mais si on va par là, ne devrait-on pas être amis aussi avec toutes les créatures de l'univers? Avec les créatures? Mais voyons, cela n'a absolument rien à voir. Bien, donc elle, on a dit on s'en fout pour l'instant. Ah, là-bas, il y a du nouveau, bah oui. Et les bébêtes. C'est formidable, j'ai l'impression de combler un vide en moi. Ah, ah, 20 récompenses. Enfin, 20... 20 minerais, ok. Je rencontre d'autres nouvelles petites bêtes toutes mignonnes, viens me voir. Ok. Avec des trésors sans s'en fout. Ok. Il y a mis au moins un nouvel objet. Fais voir. Détecteur d'inactif, ouais. Les Pikmin, on s'en fout. Appel des inactifs. Ah! C'est pas mal ça. Coûte 80. Choc. Enfin, t'es gentil, mais les barrières, on les voit. Ok. Comment ça marche? Si je suis loin, là. Comment ça marche? Ah mais faut forcément du coup le... Merde.
Ah, il faut forcément l'utiliser là, dedans. Ok. Enfin bon, ça peut être pas mal quand même. Kniuko. Allez. Nupo. On part en explo. On repart au palais des pétales. Le palais des pétales. Les niveaux ont l'air grands et quand même bien remplis, donc je sais pas combien il y en a exactement, mais il y a moyen que la durée de vie soit plus que correcte. Bien. Alors, il faut toujours en avoir que 40 avec nous. Allez, bim. Fais voir la map. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Alors. Là, il y a par là. Attends, on lise bien la map. Ah, là, par là. En fait, c'est une grande map, mais qui fait tout un cercle comme ça. Donc, il y a moyen de revenir après sur nos pas. Ok. Moi, je suis plutôt pour. Ouais. Hein. Là, c'était le duel. Pas par là. Ah oui, ça, c'est un autre pont à construire. Ouais, on va faire ça, tac tac, avec le pont là, et comme ça on pourra aller explorer ici. Ça, toute cette partie là sera faite. Allez, go. On va chevaucher pour aller plus vite. Déjà, il y a ça. Alors, qu'est-ce qui se cache par ici? On va ça. Ah! Pardon les gars. Là. Ok. C'est quoi ce mur? C'est déjà en fonçant dedans. Oh bah, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un mur de quoi ça, on sait pas. C'est du froid ça j'imagine. Ah oui. Allez, pétez-moi ça là. C'est quoi, c'est une potate? Ok. Ok. On va rappeler tout le monde. Bon, ça sert à rien de faire ça. Il les rappeler.
suffit de les rappeler avec l'objet que je reviens d'acheter. Un peu con, hein. Je suis un peu con quand même. Oh. Ok. C'est ça cette saloperie là. Non. Oh. Oh. J'ai croqué le cul. Allez. Oh, mais ça, c'est des matériaux directs, en fait. Par où il va ? Ah, et moi aussi je m'inquiète des PV d'Oshine. Ah. Oh non. Lui donne un os. Ça c'est pour moi, hein, d'accord. Hein. Ouais. Ok, donc ça on s'en fout. Ça. Ils sont partis. Je ne comprends pas. Les gars. En fait, ici aussi, ils vont construire un truc. C'est ça que t'es en train de me dire.
Ouais. C'est pour lequel? Ça c'est pour ça là-bas et ça c'est là. Il y en aura assez là. Ah oui. Ah! Allez les gars. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah mais c'est pour couper l'arrivée d'eau. Beau travail, tu as coupé l'eau. Ok. D'accord. Et du coup, il n'y a plus rien. Hein. Oh non, pas maintenant. Voilà. Bim, un gros coup de tête. Les matériaux. Pikmin pour soulever ça, la vache. Yes. Ah, y a quoi? Oh, c'est de la bestiole ça. Il se débonde sur la créature coriace. Ah bon? Des bombes, on a ça nous. On a ça, nous, des bombes. Faire explorer une caverne. Pour être isolé, il y a un... Ah merde, on s'en fout ça. Merde. Ok. Pas trop eu le temps de lire, mais...
Voilà. Bien. Ok. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il fait ? Oula. Tirez les gars. Non, tu peux retourner. Ok, parfait. On a ouvert le chemin. Comment ça? Ah, des nouveaux Pikmin. Des Pikmin aquatiques. Nous n'avons pas encore vu de Pikmin comme ceci. Je me demande si Monsieur Olimar en a déjà rencontré lui. Oui, des Pikmin bleus, on en a dans les précédents, hein, au milieu aquatique. Il y a plein d'eau avec Ochin Farek. Ah, yes. Allez. Revenez ici, les mafouilles. Hop. C'est bon ça. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles là? Ça fait peur hein. Yes. Parfait. Allez. Bon, ça nie. Ah, mais oui, il y a ça. Ok, ah mais c'est quoi ça, c'est un balai. Ah mais il y a un canard là-bas. Et un petit canard. Ah. L'attaque qu'on a subie là. Ah.
Vilaine attaque. Comment ça? Ah mais oui. Mais oui. Attendez les gars. Faut que ça soit eux seulement qui aillent. Allez. Eh oui. Les autres peuvent pas. C'est logique. Attendez. 25%. Il y aurait combien de niveaux? Attends. Ouais, là, on l'a envoyé en haut. Il y aurait beaucoup de niveaux alors du coup. Continuez pour voir. Ok. C'est quoi ça? C'est rien en fait. C'est rien. Oula. Yes. Voilà. Oh. Ça sert ces trucs là. Faites-moi ça les gars. Voilà. What? Alors il faut 10 000 pour qu'est-ce qui se passe? Branche d'escalade. Ah bon? Oh la vache. Ah tiens. Ok. On continue notre route. La suite, ça sera là. Est-ce que... Vache. Oh vite. Pétez-moi ce mur. Là, ok. Ah oui, on passe les 4000.
Formidable, notre but est atteint. Avec toute cette énergie, nous pouvons sérieusement étendre la portée du radar. Yes. Allez, ramenez-moi tout ça à la baraque. Allez. Avec ça, on va pouvoir terminer le pont. On va pouvoir terminer le pont qui était pas fini. Très bien. On a là combien? 37. Du coup, il nous reste ici là à faire. Hein? Et là? Comment ça là? Ah mais oui, derrière là. Oh là, mais il y a encore une bestiole. Une vilaine araignée. Oh. Un kiwi. On avait pété le mur, on n'avait pas vérifié ce qu'il y avait derrière. Lui. Oh! Naufragé là. Naufragé dans la grotte, dis donc. Ok, on va pouvoir se barrer de cet étage là. Examinons son badge. Le chercheur travaille depuis des années à faire progresser la communication mutuelle avec les plantes. C'est le rêve de sa vie. Mission scientifique, ça veut dire que nous avons aussi une bande de savants sur cette planète. Très bien. 50%. Ok, il va y avoir 4 étages. Très bien. J'en prends note.
Bien. Cassons ceci. Il y a un gros œuf derrière. Il y a un gigant d'œuf. Mais là aussi. Ok. Oh, oh merde. Oh non! Il les a eu. Alors, nourrissons nos pikmin. Ils ont quand même un peu faim. Là, on peut pas y aller tout de suite. Sauf peut-être comme ça. Non plus. Ah ah, là ça crache de l'eau. Là ça crache de l'eau. Donc, attention quand même. Ah. Ah. J'ai du foie. Hein. Bien. Mais non, mais vite! Oh. Et ben voilà. Oh. Voilà, le kiwi. C'est bon. Y'a... Y'a une saloperie, là. Va falloir trouver comment on vire ça là. Ah mais par là mec, il est con, il y a un chemin. C'est pas un méchant, hein, non, c'est... Ah! Il y a des méchants! Vous faites les gars. Venez les gars. Yes. Bien, allez tiens. Et là vous me le ramenez aussi. Et donc c'est qu'on est pas mal. Détail récupéré. Ah, c'est pas pour en avoir plus ça. Est-ce que ça serait pas pour en avoir plus ça déjà? C'est les jaunes qui se lancent plus haut. Allez, bim.
transportez-moi ça à la baraque. Quoi, il m'en a buté deux. Hein. Il m'en a buté deux quand même, l'enfoiré. Ok. Vraiment, c'est des très bonnes nouveautés. Hein. Tout ce qui ont été rajoutés au jeu là. Le chien, les explorations sous terre comme ça là. C'est que du bon. Hein. Tout ce qu'on voit là, c'est que du bon. Bah attends, parce que là, faut aller de l'autre côté là. Ah! Yes! Ils vont y retourner, j'espère. Oui, ils y retournent, c'est parfait. Ça. %75, on a tout trouvé ici, parfait. Ah mais si en plus les grottes sont de plus en plus longues. Wow. La durée de vie, ou alors il n'y a pas beaucoup d'environnement. En plus il nous reste encore pas mal de choses à explorer à la surface. Ok, le dernier étage. Ici aussi, il y a un autre pavé. D'accord, on commence dans un endroit qui est bleu. Oh. Oh, ça sent le boss ici, là. Oh, c'est ça. Non, on arrive. Ouais mec, si tu veux que je fasse. Revenez les gars. Oh la vache. Ils ont mis des espèces de boss, rigolo. Ah
mais non! Il m'a rendu deux. Bien. Porte est ouverte, comment ça? Non. Par là, c'est de la convière, ok, donc c'est bien par là. Et bah. Ouais, sympa. Les boss qu'ils ont foutu là. Ok. Rigolo comme tout. Qu'est-ce que ce n'est pas ? J'ai dit son badge d'identité. Pitunia. Très concentrée et intelligente, elle a rejoint l'équipe afin d'étudier par ses méthodes innovantes les créatures mystérieuses. Une membre de la mission scientifique. Elle a dû venir étudier les Pikmin et les autres espèces étranges de la planète. Ok. Revenez les gars. Ah, très cool, le premier vrai boss du jeu. Bah c'était très simple. 100%, on peut partir. Choper les trucs là. Les petites dissimulateur d'émotion, eau d'amère, imposteur doré, délice caché, cœur de temps, talisman du rideau, grande beauté plastique, masse acide, enduit décoratif. Ok. On n'aurait pas du coup gagné la capacité d'avoir 10 Pikmin en plus aussi. Parce que si c'est le cas, on peut clear 100% le premier environnement. Yes. Quand on a que 30 du coup. On va tous se les mettre en sûreté. Yes. Ah bon. T'es où? T'es là. Ah oh, c'est trop tard. En revenant, il y sera peut-être encore. Du coup, des glacés, là, j'en ai plus assez. Il m'en faut 30. J'ai plus assez pour glacer le lac. Mais on pourrait récupérer les ressources.
Et bon, vu que c'est de la flotte, éventuellement ils peuvent y aller, donc ils s'en foutent. Les dos là. Les Pikmin 2. Bien. On passe à 4500. Le plein d'énergie est terminé. Maintenant, activons le radar. Le processus est en cours. Oui. Encore une fois, nous avons détecté de nouveaux SOS qui proviennent d'une région jusqu'ici inexplorée. Je suis contente de savoir que le rayon de nos recherches a augmenté. Ne perdons pas de temps. Nous devons aller au plus vite retrouver les secouristes qui ont disparu et le capitaine Olimar. Trois points de motivation, donc on va pouvoir booster Ho-Chin. C'est donc ça le nectar piquant. Il a même l'air piquant rien qu'à voir sa couleur. C'est quand même le principal ingrédient du vaporisateur piquant après tout. Vous voulez en lécher une goutte? Oh, pourquoi pas, tiens. Ça ferait au moins un contrôle de qualité. Je ne voudrais pas voir mes secouristes équipés d'un produit défectueux. Allez, goûtons-y. Hein? Ça arrache la gueule. Ça a l'air vraiment piquant. Je suis content de ne pas l'avoir léché moi-même. Mais le bon côté des choses, capitaine, c'est que vous êtes super rapide. Vous allez faire votre boulot bien plus vite. Peut-être. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter d'ingérer directement ce nectar. Ça risque de poser de petits problèmes. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? On manquait de place au camp de base. Alors on a dégagé plus d'espace à côté et on est tombé sur un truc bizarre. Un vaisseau spatial hors service. Ben ça alors, je me demande où a pu passer son capitaine. Mais sûrement quelque part à la surface de cette planète, à attendre des secours. Nous ferons notre possible pour le trouver. J'ai bien failli l'oublier, nous avons aussi trouvé des matériaux bruts en agrandissant le camp. Ils seront sûrement utiles. Alors. Pour t'aider à... Ah, mais parfait ça! Déterrage. Nage du chien, comment ça? Ah, il peut nager plus vite. Super force. Pour l'instant, sa force, ça va. Super morsure, pour l'instant, ça va. Ah, il accumule plus vite l'énergie. Ça peut être pas mal. Ouais. Ah, mais lui aussi il peut creuser plus vite. Auto-soin. Ah non, Horde, on s'en fout. Niveau 1, je l'ai déjà. Pour l'instant, l'auto-soin, c'est pas forcément. À la base. D'utiliser aller ici. On va faire ça. On va booster les orbes.
qu'à terme, ça, à mon avis, il y a des ordres qui vont devenir intéressants. Hein. Ok. À mon avis, à terme, il y aura des ordres intéressants. Alors, on a trouvé des trucs nouveaux, hein, genre ça, là, ces saloperies, là. On en est à combien? On dit pas l'enfoiré. Hein. Il nous dit rien. Pas des trésors précis. Ça paraît bizarre. On est comme tout ce petit jardinet là. Appartient tout ce vaisseau, bon, on aimerait bien le savoir. Je suis ravi d'avoir enfin l'occasion de te parler. Je m'appelle François et je suis botaniste. Aimes-tu les plantes, toi aussi? J'essaie depuis des années d'établir une communication mutuelle avec elles et je crois que les Pikmin en sont la clé. Ah. Si j'aime tant les plantes et les Pikmin, c'est pour leur bonté. Ils nous écoutent et nous acceptent sans condition. Qui n'en rêverait pas d'un ami pareil? Le monde serait bien moins triste si chacun avait un Pikmin comme ami. Pour le bien de la civilisation, nous devons faire se multiplier les Pikmin. Aide-moi dans cette tâche et je saurai te récompenser. Ok. Bah merci Pépin. C'est lui qui veut les voir fleurir là? Ah non, lui c'est les régions à 100%. Non. Il fait fleurir beaucoup de Pikmin. Ah, très bien. Oh mais il y a un Gus là encore. Comment? Équipe de secours, quelqu'un a besoin d'aide par ici? En tout cas, je n'ai vu personne en danger. Pardon? Moi, une naufragée? C'est alors étrange, j'étais tellement fasciné par la faune locale que je ne m'en étais pas rendu compte. Dans son journal, Monsieur Olimard décrit la fusion de ce qu'il a baptisé oignon avec un oignon d'une autre couleur. C'est extraordinaire. Pour le bien de la science et l'avancée de mes recherches, préviens-moi si tu procèdes à une fusion oignale. Quoi? Tu as déjà procédé à une telle fusion? Ben voilà. Non. Tu m'autorises une remarque égoïste, j'aurais bien aimé voir l'oignon dans son état préfusionnel. Ah bah, je vais aller chercher le bleu, comme ça en fera un autre. On va y aller tout de suite d'ailleurs, on va pas regarder lui ce qu'il propose là. Ah, il a déjà une troisième zone déjà, quoi. Voilà, là, il y a plusieurs SOS qui nous proviennent de cette nouvelle région. Rivage serein. Retournons là. On va bien voir s'il est possible de boucler la progression d'ici là. À mon avis, non. Je me suis fait niquer. Il y avait des petits cercles qui représentaient les Pikmin disponibles dans cette zone là. Il n'y avait pas les tout bleus. Je pense que je vais atterrir sans les bleus. C'est ça que tu es en train de me dire? Oh, je les ai. Allez. Venez avec moi, mes potes. Hop. Ah
C'est rigolo. Il chante. Alors. Déjà bim. Ramenez-moi ça. Hop. Ils sont où? Les petits têtards. Qu'est-ce qu'il a de nouveau? Il me montre du nouveau sur la tablette. Un nouveau espèce d'enfoiré, il y a ça, mais on connaît. Non! Allez hop. Oh putain, mais c'est 20 qu'il faut là. Oh l'enfer. Ah. Allez, 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 venez les gars. C'est 20. Une de flotte. Chier. Mais il faudra revenir, les gars. Merde. Mais non, mais putain, mais vous voulez pas, c'est abusé. Bon, on est bon pour se barrer, alors. Bon, on peut pas. Faut se barrer, il faut continuer l'autre. Tant pis. Bah tant pis. Oui, bah on a rien gagné quoi. Juste des nouvelles ressources. Intéressant, le corps d'assaut permet en appuyant sur X d'ordonner aux Pikmin de lancer un assaut. Voilà un gadget qui semble être très utile. Mais oui, la science est une force qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Rien n'est impossible avec la science. T'enflamme pas, Robert. Tenez, il suffit de changer la fréquence, comme ceci. Et maintenant, on peut faire se lancer à l'assaut n'importe qui. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui m'arrive? Mon corps ne m'oublie plus, il se déplace de lui-même. Top, arrête ça tout de suite, Russ. Mais tu es complètement fou, quoi.
Ah, vous faisiez juste une petite démonstration de la façon dont nous pourrions l'utiliser en cas d'urgence. Je ferai tout mon possible pour qu'une telle urgence ne se produise jamais. Ok. Bon, il me faut voilà les petites mines de glace. Continuons ici. Il nous faut voilà les Pikmin de glace. Très 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 bien. Il en faut 30. 30 et 20 hauts. Ah bah non, remarque. Les Pikmin pourront marcher sur la glace. Donc on s'en fout de ça. Il nous faut au moins 30 glaces. Ou 20 hauts. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Ah, déjà. Tiens, voilà, parfait. Bah oui, hein, on va les prendre, hein, ceux de l'eau. Comment ça? Ah, on peut en sélectionner que 3. 3 types de Pikmin différents. Ok. Allez. C'était par où? Par là. Donc on termine le pont là. Et une autre grotte. Ah, il y a ce big énorme celui-là, de 50 Pikmin. On va déplacer la base ici. Voilà. Allez, bim. J'aurai 50 trésors. Parfait ça. Ah! Oh là, mais y'a quoi là? Une saloperie qui m'attend, on a dit ici. Hein.
Allez. Hein ? Mais ils sont les derniers. Ils sont là. Bien. Eh ben écoute, regarde-moi ça. Allez, tout le monde y va. Fait plaisir de bavarder des petites minutes. Hop là. Voilà. De l'aide en plus. Un gros melon. Un beau gros melon. Yes. Derrière. Le poké ou pas? Pas le péter. Bah tiens. Grosse bavette encore là. Foiré. Ah. Ah oui. Moi, je sais quoi cette bestiole là. Ah. Déjà la brosse à dents. On la ramène à la base. Cette saloperie là aussi. C'est bon? Non, c'est pas bon? Ah si, c'est bon. Autre entre-source. Y'a un chemin là, les gars. Il faut aller les récupérer du coup. Ah. 7000 la prochaine étape. Ok. Thank you.
prochaine étape 7000. Putain, le mur là-bas il est incassable, ok. Ça du coup ça nous ramène là. Ça nous ramène ici. Attends, quoi? Alors, si là j'ai pas fait. Ah bon? Allez, le Pikmin derrière. Ah! Espèce d'enfoiré. Mal. Ok. Amenons. La base ici. Ah, il y a ceux qui sont coincés derrière le mur. Parce que j'ai une bombe, ce que j'ai là. Merde. Où est-ce qu'il veut? Inventaire. Ah, c'est une bombe. Ah d'accord. Il en faut plus. Il en faut d'autres. Mais si, du coup, ça s'est fait. Oh. J'avais oublié ces ressources-là. Mais si ça s'est fait, ça, on peut pas y aller tout de suite. Ok. Combien? Ah bah voilà. Oh non! Ah. Ah!
Putain, chiant, j'en ai perdu un, quoi. Ça, c'est emmerdant, par contre. Ça, j'en ai perdu un, c'est chiant. Parce que du coup, il est où le prochain truc là? Putain, il est tout là-bas. C'est loin. Hein. Loin. Allez. Oh. Pour ramener d'un coup là. Ah oui. Non. Si je peux aller dans cette grotte. Ah. Oh oui. Une grotte d'obscurité quasi totale, je l'ai un peu explorée en me guidant à la lueur de champignons luminescents, mais j'ai dû faire demi-tour, c'était trop risqué, si seulement j'avais un meilleur projecteur. Après coup, je regrette d'avoir acheté ce modèle bon marché. Allez, on y va. Ah non ! Ah, chier. On peut pas. Oui. On les perd, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas faire les cavernes. On va se... On va retourner encore dans cet environnement-là. Pour terminer, je pense, l'exploration terrestre. Oh! On voit les Pikmin se faire... C'est triste. Ah non, on a terminé cette journée. On va refaire une exploration dans cette zone et après on s'arrêtera là. On se gardera l'exploration des cavernes pour jeudi soir. Parce que demain, pas de live. On reprendra Pikmin jeudi. Pareil, aux alentours de 19h, je pense. Jeudi, vendredi, ça sera Pikmin. Autour de 19, jeudi et vendredi. Et samedi, ça sera live duo avec Florian sur Exoprimal. On va découvrir ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Sphère de douceur, brosse de sagesse, lune râpeuse, grenade de Cupidon. Ah bon? Chine appartient à une race de chiens exceptionnels. Savez-vous par hasard d'où ils viennent, capitaine? Cela fait des générations que ses ancêtres vivent auprès de la famille Shepherd, mais j'ignore quelle est leur planète d'origine. Ils ont en tout cas la disposition idéale et tous les talents nécessaires pour mener une existence de chien sauveteur. Outre leur capacité de transport, ce sont aussi de bons creuseurs, et ils ont un flair qui leur permet de suivre des pistes.
Avec leur formidable vision et ce pelage si doux, ça donne au total des partenaires idéaux. Et puis, ils sont tellement mignons. Donc si je résume votre réponse, non, vous ne le savez pas. Ok. Ah, la belle nouveau. Dis donc, tu as rapporté une quantité de trésors impressionnants. Je me sens tout modeste à admirer tes exploits. Ce n'est pas grand chose, mais accepte ceci en récompense. Ça me ferait plaisir. Oh bah 50, c'est pas grand chose. N'oublie pas de me signaler tes trouvailles pour que je les évalue. Chaque trésor que je peux admirer m'emplit de joie, tu sais. Ok. 100 trésors pour une prochaine récompense. C'est pas mal ce principe de petite quête comme ça là. On y retourne direct. Kikmin esselé. Les pauvres petites bêtes. Ça rend vraiment les temps de chargement, c'est infernal. On est sur cartouche. Et... Ah, vache. Ok. Merde. Peut-être que je prenne mes petites bêtes, moi. 20. 20. Et 10. Très bien. On va péter ça, là. Ça mène côté... Ah, il y a des cerises. Ah, mais oui, d'accord. Ça mène là, ok. Là, je vois. Je vois très bien. Yes. La gueule à lui là. Voilà. Calamar. Étrange. Vilain crapaud. Suffisamment nombreux. Ah non. Donc, un pour lui. Enfin, 7 carrément. Ah, Oshin, il peut le ramener. Thank you.
Par là, il n'y a que dalle. Ok. Venez ici, mes petits Pikmin. Alors, 7, on a dit. Ah merde. Hop. Ah. Saloperie. Très bien, et là on revient là, d'accord. On a tout, on a tout. Là, ok, ok. Comment on monte là? Ah, mais par ici sans doute, mais oui. On va pas explorer encore cet endroit là. Tout ça c'est fait. Ouais. Je crois. Oui, il n'y a que cet endroit là qui n'a pas été exploré encore. Ok. Oignon. Thank you.
On va passer par là. Ah oui, ils peuvent le ramener. Tiens. Bon, j'en étais sûr. Merci de me couper dans mon élan, les gars. Ah. 10 en plus. Parfait. Ouais, on va nous faire un. Yes. Allez. Comment je fais pour aller là-haut? Oh. Une baballe. Ah, c'est un tunnel. Ah, c'est sans doute celui-là. Et viens, un tunnel. Oh. Ouais. Ah d'accord. On va se construire un mur. Ah mais attends, au fait. Pas là. Mais... Bon, ramène ça si tu veux. Chine, tu viens ici. Ah non, il peut pas. Hein. Mais... Laisse pas remonter, bordel. Très bien. Là-bas, le mur a été construit. Revenez tous ici les gars. Ok. Oh, le petit enfoiré. Oh putain, y'a un mec. Thank you.
Ça va être en duel. Ah, c'est de la glace. J'ai pas mes Pikmin de glace. Oh. Ah, encore une... Encore une bombe. On pourra pas rentrer dans les tunnels de toute façon. Donc la nuit va tomber. Où est le mur? Il est là-bas là. On va lui balancer la bombe, on va voir. À mon avis, ça ne suffira pas. Et j'espère qu'il n'est pas remonté d'un niveau, l'enfoiré. Merde. Hop. Fasse la base ici là parce que... Voilà. J'ai peur qu'on n'ait pas eu le temps. On n'aurait pas eu le temps. Allez. Voilà. Bien. Ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. On a mine de rien bien avancé. 2h30 de live, c'est pas mal. On a bien avancé, on a bien exploré toute cette zone-là. Il y a encore un petit coin à faire avec des Pikmin de glace, de ce que j'ai vu. Puis après, ça sera les cavernes. Ça sera les grosses cavernes à explorer. Autant dire que jeudi soir, il y a du programme. Hein. En plus, maintenant, on peut avoir 60 Pikmin, ça c'est bon. 60 Pikmin. Alors. Ah. On a terminé les fruits de printemps. Très bien. Alors, on a écrin acerbe. Satellite de communication. Synthétiseur harmonique. Pseudo-poule. Ok. 34% pour le paradis des pétales. Non, stop, ne m'approchez pas. Capitaine, qu'est-ce qui vous arrive? Ils sont là! Ils sont à bord du Shepherd, tout plein de Pikmin! Si nombreux qu'ils vont finir par nous étouffer! Capitaine, il n'y a pas de Pikmin ici! Hein? Ouf! Nom d'un stéroïde! C'était juste un cauchemar! Enfin, je veux dire, juste un rêve! Où je donnais des ordres aux Pikmin! Et je n'en avais pas peur, pas du tout! Mais bien sûr, je vous crois, capitaine! Ah, j'ai pas vu l'émission annexe. Là. Ah bon, ça, on les fait au fur et à mesure. Donc, Et donc, vous, elle. Bien. Y'a du nouveau. Et du nouveau nulle part. C'est triste. On est triste. Ok. Bon. Et ben on va s'arrêter là. Sauvegarde plus écran titre. Ouais, retourner à l'écran titre. Ok. Bah ça reste toujours aussi cool.
ce Pikmin 4. C'est toujours aussi chouette, c'est d'autant plus du coup. Et encore, j'allais dire, c'est d'autant plus dommage qu'il faille attendre autant d'années entre chaque épisode de Pikmin. Mais bon, si ça laisse le temps aux devs d'avoir des bonnes idées et d'intégrer tout ça dans le jeu comme c'est le cas pour ce Pikmin 4, bah finalement, ils prennent leur temps en fait. Plutôt pas mal. Donc voilà, encore une bonne session, on a fait pas mal de trucs. La suite de Pikmin 4, ça sera jeudi aux alentours de 19h. Et vendredi, sans doute un peu plus tôt, peut-être à partir de 18h, ça dépendra l'heure à laquelle je rentre du taf comme d'habitude. Mais jeudi, ça sera aux alentours de 19h comme aujourd'hui. Et demain, mercredi, pas de live, c'est off. Voilà pour la suite de Pikmin 4, c'est donc jeudi. Merci de m'avoir suivi pour cette seconde partie sur le jeu. Et à très bientôt. Salut, salut!